Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour, enfin sur Palworld et on va aller au boss de la tour. Alors j'espère que la capture va fonctionner correctement parce qu'elle me fait des trucs un peu chelous depuis tout à l'heure. Donc j'espère que ça va être à peu près fluide, même si le jeu ne l'est pas totalement. Mais j'espère que la capture ça va aller. Il n'y aura pas de gros problèmes. Et bon. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez. On va finir de se préparer. Donc, j'ai un arc de feu, j'ai une arbalète enflammée, j'ai 40 flèches enflammées. J'ai un arc, un vieil arc, arc triple. On va se préparer avec l'arbalète enflammée qu'on va mettre ici. J'ai une lance, j'ai changé mon bouclier, j'ai un bouclier normal, c'est pas celui-là, je me suis gouré quand je l'ai changé. Il doit être dans un de mes coffres. Hop, alors vous entendez miauler, certainement. En fait, je me suis planté, voilà. Méga bouclier, il va aller dans mon inventaire, parce que le méga bouclier, on va le mettre. Alors, c'est pas le moment de monter sur mes genoux, s'il te plaît, je suis désolé, j'ai un chat qui me... Voilà, et... Non, pas de câlin au micro, s'il te plaît. C'est un peu compliqué, hein. Ah oui, j'ai fait un pistolet grappin. Je dis pas de câlin au micro, s'il te plaît, parce qu'à tous les coups, tu vas m'appuyer sur le bouton, tu vas me le couper. J'ai fait ça. Mais pour l'instant, il faut que je regarde vraiment comment ça marche, c'est un enrichissement pour Pal, mais j'avoue que j'ai pas trop compris pour le moment comment ça fonctionne. Attendez, je vais bouger le micro parce que je sens qu'elle va me faire des conneries. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne, donc là, écoutez. J'ai mon équipe. Allez, on se le tente. On y va comme ça. Alors, j'ai fait aussi quelques boss. Hein. J'ai fait lui, lui, lui. Là, j'en ai fait un autre, je sais plus où. J'ai fait quelques boss. Histoire de me préparer. Là, on va aller à la tour. La tour, elle est là. Tour du syndicat. Et ce troisième épisode, pardon, j'allais dire ce premier épisode, n'importe quoi. Et bah, je l'avais dit, on fait le boss. Ouais, je me suis vraiment bien préparé, je pense même que, en vrai, il n'y avait pas besoin de monter aussi haut. Mais bon, comme la seule vidéo que j'ai regardée sur ce boss. Ils étaient deux. Ils avaient un niveau beaucoup moins élevé que le mien. Ils étaient genre niveau 12. Et moi, je suis niveau 18 là. Mais ils étaient à deux. Et moi, je suis tout seul. Donc. Ça craint un petit peu plus pour moi. Par contre, j'ai peur que la capture soit pas. Il y a des saccades et des trucs qui n'existent pas dans le jeu, vraiment. Ça me fait chier. J'arrangerai ça au maximum. Oh là là. Par contre, c'est avec le son, encore une fois, il est vraiment pourrave. Oh merde, merde. Oh. Allez, on va lui mettre à mort des flèches enflammées. Oh putain, il est passé où? Il arrivait juste derrière moi. Je vais me faire tuer direct. Bon, j'arrive à lui faire mal, mais lui aussi, hein. J'ai 10 minutes après pour le faire. Bon, je pense que. Je pense que ça va le faire large. Protège-moi, toi. Putain, il arrive à sauter. Je me sers des piliers pour me planquer, mais ça marche pas toujours, hein.
Après, on va lui mettre des flèches enflammées à mort. Comme tant que j'en ai, je vais lui mettre. Oh putain, oh vite, oh vite, oh vite, cours! Non, 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 cours! 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 J'arrive plus. Mon pal, il va bientôt y passer, mais bon. J'en ai sorti qu'un. Et on l'a bien amoché. Après, lui, il a la dresseuse là, sur la tête. Putain, là, je sais pas comment l'éviter, hein. On va le fumer. Il faut que je fasse quand même attention à ma vie. Il me court après. Par contre, j'avoue, quand il fait ça, je sais pas trop comment je peux l'éviter. Allez, ça fait mal, ça lui fait mal, ça lui fait mal. Ouais, il y a des trucs, c'est ce que je me dis. Si les faiblesses, c'est comme dans Pokémon. Là, j'ai un plante. J'aurais bien m'en sortir, j'ai plus de flèches. Oh merde. Ça va. Que mon bouclier s'était rechargé. Bon, avec ça, je lui fais pas grand chose. Mais là, il va bientôt claquer. Allez, c'est fini pour toi. Hop, on va esquiver ça. Ouais, je suis désolé d'avance si jamais la capture est pas très fluide, hein. Je sais pas ce qui se passe. J'ai débranché le boîtier, j'ai essayé 10 000 trucs. Oh, 5 points antiques. Allez, chais. On l'a fumé. Et ben voilà, écoutez. Bon, on va peut-être pas s'arrêter là. Parce que là, ce serait vraiment rapide. Des points antiques. Alors, j'avais déjà débloqué des trucs, hein, puisque j'avais déjà débloqué l'incubateur. J'avais débloqué le pistolet grappin, l'enrichisseur, là. Maintenant, on a le méga pistolet grappin. Et après, bon, j'ai pas les niveaux pour aller plus loin. Lanterne, machin. Alors, en tout cas, il y a pas mal de trucs qu'on peut débloquer. Ouais, on va débloquer celui-là, je le ferai plus tard. Et on va pouvoir regarder. Ouais, non, pour l'instant, j'avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, bah, en tout cas, lui, on l'a fumé. Ah ouais, faut que j'aille là. Gestionnaire de boîte. Ah oui, j'ai capturé pas mal de pales depuis. J'en ai un qui est KO. Bon, il m'aura bien été utile quand même, il l'aura bien amoché. Ça, c'est cool. Écoutez. Ah ouais, on est vraiment sur un épisode ridicule. Je pensais pas que ce serait si facile. Qu'est-ce qu'on peut aller faire maintenant? Il faudrait que je trouve du blé en fait. Parce qu'il faut que je construise des...
que je construise ça, plantation de blé. Et vous voyez, du blé, j'en ai que 1 sur 3. Il faudrait que je trouve du blé. Il faut que je construise la marmite. Organe d'allumage, ça va se trouver facilement. Par contre, lingot de métal, bon, c'est pas compliqué à avoir, mais c'est juste un peu long à faire. Et c'est juste que ça pèse lourd en plus quand on doit le porter. Donc, alors j'ai fait des barricades, vous voyez, elles sont ultra moches d'ailleurs. Il y en a une autre là-haut, là j'avais pas vu, faut que je l'enlève. Je sais pas comment j'ai fait. J'en ai pas mis partout parce qu'en fait, ici ça suffit pour bloquer. Après, vous voyez, faut monter. Donc ici, pour l'instant, ça suffit pour bloquer le passage. Et là, c'est pareil. J'ai pas besoin d'aller plus haut que ça. Quand je me fais attaquer, ils restent là-haut, en fait, ils descendent pas. Et de l'autre côté, de l'autre côté, j'ai fait un peu pareil. C'est pas très beau, hein. Mais j'ai fait un peu pareil. J'ai bloqué ici. Voilà, ils peuvent pas passer là. Et j'ai bloqué là jusqu'au bout du chemin. Et comme ça, je suis relativement tranquille. J'ai plus personne qui traverse le camp avec le pont là. Et quand je me fais attaquer, personne ne rentre dans le camp. Et j'ai quand même, voilà, accès à l'eau et tout. Tranquillement. J'ai un endroit qui est assez sympa. Après, il faudra peut-être que je déménage à un moment, mais bon. Pour l'instant, j'ai pas très envie. On verra bien. On verra bien plus tard, mais en tout cas, faut que je trouve du blé. Faut construire la marmite. Et j'ai autre chose aussi à construire, je me rappelle plus. Après, je sais pas si on continuera la série, hein. Parce qu'après, je pense que vous avez compris le principe. Le but, c'était d'aller jusqu'au boss. Après, il y aura plein de technologies, plein de trucs. Peut-être que je referai des épisodes, un ou deux épisodes, je sais pas. Mais quand j'aurai vraiment débloqué des choses, que j'aurai vraiment avancé. Hop. Je me trompe de bouton à chaque fois. Voilà, on va manger ça. En tout cas, cette foutue arbalète enflammée, elle aura été bien utile. Mais oui, effectivement, avec l'équipement que j'ai là et le niveau que j'ai. J'étais largement au-dessus de ce qui était prévu pour ce boss. Donc automatiquement, ça s'est pas trop mal passé. Il va bientôt faire nuit. Après, j'ai pas mal exploré aussi. J'ai fait quelques grottes, il y en a une où j'ai tourné en rond pendant des plombes, alors qu'en fait, il y a un seul chemin par lequel j'étais pas passé, mais comme je tournais en rond et que je m'étais perdu, j'ai du mal à me rendre compte que j'étais pas passé par ce chemin. Donc forcément, c'était un peu compliqué. La dernière fois, je suis tombé sur deux mammouths aussi qui se battaient. Mais bon. Évidemment, j'ai pas tenté de faire quoi que ce soit, hein. Ils dépassaient le niveau 30. Donc, de toute façon, je pouvais rien faire. Ah bon, on va arrêter là, sinon j'avancerai plus. On va remonter.
Et on va passer par là. Hop. On va aller gentiment mettre ça là-bas. Et lui, bah tiens, t'as rien à faire, toi. V'là du boulot. Voilà, et c'est lui qui va me faire ça. Bon, il y a toujours mon bar qui sert à rien, là. Si. J'ai dit que j'allais aller péter. Péter ça là-haut. J'avais pas vu cette barricade moche là-haut. Là. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait là. Mais en fait, ces barricades, ça me. Ça m'évite aussi d'avoir l'autre là, le mammouth, qui traverse le camp au moment où je me fais attaquer. Et qui donc bah, automatiquement prend un coup. Et il aime pas ça. Donc après, bah, tu te fais attaquer par le mammouth aussi et t'es dans la merde. Allez, plus vite que ça, esclave. Est-ce qu'il faut que je construise un broyeur aussi? Mais le broyeur, il faut du blé, en fait. Une marmite. Après, je pourrais très bien construire le broyeur quand même. Organe d'allumage, oui, il faut que j'aille chercher ça aussi. Il y en a combien qui vont sortir là? Parce qu'il m'en faut 15, il y en a 17 qui vont sortir. Donc ça, c'est bon. On va peut-être attendre qu'il fasse nuit pour dormir. Et ensuite, on va aller chercher les organes d'allumage. Et puis, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin parce que là, sur cet épisode-là, je vois pas ce que je peux faire de plus. Je pensais, alors le boss de la tour, là, je savais que en gonflant mon niveau comme ça, ce serait pas hyper dur. Mais je pensais pas quand même qu'on le fumerait aussi rapidement. Après, il va falloir que j'aille par ici un petit peu parce que ça m'étonnerait que dans toute cette grande zone, il n'y ait pas de choses à faire. Qu'il n'y ait pas d'autres statues déjà. Et puis qu'il n'y ait pas des boss ou des choses comme ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Il y aura lui après. Niveau 23. J'essaye de les attraper en plus. Quand je me bats avec eux. Après, ici, on va pas y aller tout de suite, hein. Puis après, il y aura d'autres biomes aussi. J'ai mis des points à certains endroits. On va peut-être les enlever parce que... Ils ne servent plus à rien. J'aimerais bien aller voir par là. Qui se passe. Hop, on va dormir. Et puis ce qu'on va aller faire. Hop, j'espère vraiment que la capture va pas trop. Pas trop déconner parce que le jeu est déjà pas hyper fluide de base. Alors si en plus la capture elle déconne et que c'est encore moins fluide, bon. Voilà, attends, on va pas faire le con avec lui. On va essayer de trouver ce qu'il me faut. Lui, c'est un boss. Lui, on va le laisser tranquille pour l'instant. Il est encore plus fort que l'autre. C'est pas Crémy ce que je cherche, c'est ça. Hop.
Il me faut les organes d'allumage. Donc pour avoir les organes d'allumage, c'est eux qu'il faut mater. Bon. Je vais pas réussir à trouver ce que je veux. C'est le truc le plus énervant au monde. C'est que je sais qu'il y en a plein qui traînent par là. Mais comme par hasard, au moment où j'en ai besoin, il n'y en a pas là-bas. Du coup, je vais cut quand même, hein, parce que... J'ai eu ce qu'il me fallait. On va pouvoir remonter. Ça va le poulet? Le chicken McNuggets. Allez. On va aller fabriquer ce chaudron ou on va pas le fabriquer? On va aller le fabriquer. C'est un des objectifs. Après le reste, bah, je le ferai petit à petit, hein. Parce que de toute façon, il me faut du blé. Allez, venez m'aider. C'est long quand même, hein. Même à plusieurs. Et voilà. Et on peut faire la même chose, en gros. Ah, je sais pas. Non, il y a d'autres trucs. J'ai l'impression. Qu'avec le feu de camp. Oui, il y a plus de choses. Il y a plus de choses qu'avec le feu de camp. Eh bien écoutez, cet épisode-là, à la base, c'était surtout pour le boss de la tour. Le boss de la tour, il est fait. On se retrouvera quand j'aurai plus avancé. Parce que là, réellement, je vois pas ce que je peux vous montrer d'autre. Je vais avancer, peut-être que je déménagerai le camp, je ne sais pas, j'irai voir un autre biome et tout, et à ce moment-là, je vous ferai certainement une autre petite série de vidéos. Mais là, pour le moment, écoutez, on va s'arrêter là-dessus parce que je vois pas ce que je peux vous montrer d'autre. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.